un petit Maria Lloyded coulant, 55 grammes. Je pense qu'il ne va pas faire beaucoup de lancers. Il est armé que d'un seul trip parce que déjà comme ça, ça s'accroche partout dans la barrière. Quand je dis que ça s'accroche partout dans la barrière, c'est qu'en fait, quand le poisson est sur le leurre, il reste toujours un ou deux hameçons de libre. Et comme les poissons ont tendance à se frotter à la barrière, du coup, ils restent accrochés sur la barrière. Et donc, on perd le poisson et on perd le leurre, parce que le leurre reste planté à la barrière et le poisson se décroche. Voilà. Une belle carpe rouge qui remonte derrière ma 40. L'état de mon leurre, un lancé. Ah, si je m'affole et que je ramène assez rapidement, c'est en fait parce que le poisson a tendance à sonder et à se mettre dans la barrière. Donc j'essaie de le garder le maximum à la surface, comme l'attaque se fait sur un stick bait, histoire de le garder en surface et de ne pas le perdre, ni lui, ni ni le leurre. Petit carpe rouge. C'est certes un petit poisson, mais c'est des poissons redoutables. L'attaque est vraiment très agressive, même s'ils sont petits. Mais le combat dure les 10 premières secondes. Après, une fois qu'on l'a gardé et qu'il a vu qu'il était le patron, il se calme. Voilà, donc j'ai le poisson qui est pris dans la barrière de corail là. Et devant moi il y a un banc de perroquets bien vert qui passe là, ils sont quelques individus. C'est cool à voir même si on n'est pas sûr de gagner avec le poisson qui est au bout de la ligne. Donc là j'utilise la technique, je mets la ligne en tension et je relâche d'un coup sur le pick-up, je donne du mou. Le poisson pense qu'il est libéré, mais des fois ça marche, il se tire comme là. Donc, du coup, j'ai réussi à passer la patate et là il arrive en surface, il bataille un peu derrière la vague. Les remous sont assez bizarres, on peut présumer qu'il y a quelque chose qui était derrière, mais là ça se calme. Voilà donc un beau petit carpe rouge, hein, carpe rouge de l'océan indien, déjà de taille adulte, hein, il va faire entre 6 et 8 kg, c'est beaucoup plus petit que les carpes rouges de l'Atlantique. Belle petite carpe rouge, hein. Un beau bébé. Woo!
une bête qui est sortie. J'ai ramené du monde là. Hein. Calmez-vous, calmez-vous là. Donc là, une petite attaque discrète. Je me suis dit, tiens, ça vaut le coup de retenter parce que il y a du poisson qui est là. Et là, on passe le bleu. Boum, c'est pendu. Saloperie, ça se met dans les failles en permanence. Hein. Truc de fou quand même. Là, il fait du surf. Hein. Petite prune. Ah, putain. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, l'attaque est vraiment brutale et violente, mais ça dure quelques secondes et après ça reste plus lourd, mais ça se combat plus facilement qu'une belle 40. Mais l'attaque reste plus violente que j'ai vu. Voilà, le leurre, c'est donc toujours le Maria Lloydet. Hein. Vous voyez, il était tout neuf, là il est beaucoup moins neuf, mais c'est un très bon leurre qui a très bien pêché dans toute l'après-midi. Quoi.